Et salut les amis, aujourd'hui petit point météo pour ce week-end. Et ce week-end va être très important niveau météo avec de l'instabilité forte et marquée avec la première vraie dégradation orageuse marquée qui va nous concerner ce week-end. Mais bien avant, pour la journée de demain, nous aurons un temps très contrasté avec quelques encore averses au nord, mais généralement un temps plutôt ensoleillé. Voilà. Donc voilà. Puis pour la journée de samedi, ça va changer un tout petit peu. Avec l'arrivée de la d'une perturbation qui va concerner les régions du nord, accompagnée de précipitations simples pour le moment, pas d'orage, mais il faudra surveiller quelques possibles coups de tonnerre. On passe à la journée de dimanche. Ah, par contre, juste avant. Les températures sont très élevées sur une bonne moitié sud, dans les secteurs Bordeaux, avec possiblement des pointes à 30-32 degrés. Sur le reste du nord, les températures ne seront pas encore assez douces encore. Il faudra attendre la journée de dimanche, sinon sur une bonne moitié sud, les 24 degrés à 26, 27, 28 sont atteints sur les régions du sud. Pour dimanche, une journée très très agitée va se mettre en place avec des possibles coups de tonnerre en début de matinée sur les régions du nord, avec les premières averses qui vont se développer, puis qui vont quitter la France pour laisser place en soirée à des averses beaucoup plus violentes, accompagnées de grêles et de fortes rafales de vent. Donc, dû à un talweg présent, hein, avec des températures très très chaudes, avec la remontée extrêmement rapidement des températures, on comptera une moyenne de 27 au nord, hein, par rapport à la journée de samedi où le nord ne sera pas encore concerné, que dimanche, les températures vont exploser. Ils vont exploser pour la journée de dimanche avant la dégradation orageuse marquée en soirée avec des possibles orages forts qui vont concerner un axe sud-ouest-nord-est avec des fortes rafales de vent et un muquet très élevé qui fera que les orages seront assez fort, à même violent. Niveau Kironos, eh bien écoutez, Kironos voit un assez important risque orageux pour dimanche, avec des possibles orages forts sur une bonne moitié du sud-ouest au nord-est, comme prévu, avec un système orageux bien marqué avec des orages virulents qui donc voilà extrait du sud-ouest au nord-est. Voilà, donc c'était une petite confirmation et votre temps du week-end pour ces 3 jours. Et bien écoutez, je vous souhaite une très excellente soirée et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau point.